Bonsoir madame, monsieur, bienvenue sur BFM, la chaîne au cœur de nos défis. Nous sommes lundi, il est 21h et comme vous le savez, c'est l'heure de votre émission Sport Time, l'émission où on vous dit tout sur l'actualité sportive nationale. Et dans cette émission, comme d'habitude, nous sommes en compagnie de deux invités, Seydou Belem, président de l'AMAF, l'amicale des arbitres du Face au Foot. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Très heureux de vous recevoir. Pas de souci, c'est partagé. Également, nous sommes avec Madi Zongo. Bonsoir, Madi. Bonsoir, Arsène. Bonsoir à tous. Bonsoir à mon collègue, ouais, Seydou Belem. Oui, c'est vrai que c'est votre ancien collègue. Et pourquoi ancien? On est arbitre pour la vie. Pour la vie? Ah oui, bien bon, sûr. Bon, d'accord. Vous confirmez, M. Belem? Oui, oui. Arbitre pour la vie. C'est pour la vie. Hein. D'accord. Voilà. Bon, comme c'est quand même assez rare de les recevoir. Ben voilà. Chaque fois qu'on le reçoit, c'est avec plaisir et honneur. Ah ben voilà. Et comment ne pas ouvrir cette émission avec... cette suspension du championnat national de première division, oui. Madi, le championnat qui est arrêté, les acteurs ont décidé encore qu'il allait en être ainsi. Après plusieurs, je crois deux mois après la reprise, hein, on arrête encore. Finalement, c'est un crève-cœur pour tous les amateurs de football et pour le public sportif burkinabé. Ben, c'est franchement le cœur serré qu'on aborde une telle situation parce que pour qui aime le foot, parce qu'on parle de foot, dire qu'il n'y a pas de match de football le week-end, c'est un supplice. Je pense que peut-être ceux-mêmes qui ont pris la décision doivent être dans la même situation, puisque je lisais un document où on parlait de... comment on appelle ça encore, c'est... J'ai oublié le terme qui a été utilisé, en tout cas un terme de regret. Mais moi, je pense que tout ça, c'est le dialogue qui a manqué. Parce que si c'est vraiment pour les 25% que les clubs revendiquent, ce qui est peut-être légitime, je ne rentre pas dedans, puisque l'autorité, en l'occurrence le ministère des Sports, a dit que c'est eux qui ont demandé que ça soit utilisé pour les petites catégories. Dès lors qu'il y a cette précision du ministère des Sports, bon, le conflit entre la Fédération burkinabé et les clubs aurait pu s'estomper et les clubs se retournent maintenant vers le ministère des Sports pour demander à ce que la convention qui régit ces finances-là et qui demande à ce que ça soit utilisé pour les petites catégories soit levée. Parce que malheureusement, nous sommes dans un état de droit où tout est fait sur la base de textes. Et dans ce genre de situation, comme on aime le dire, chacun couvre sa tête. Donc dès lors qu'il y a du papier, l'utilisation devient compliquée, mais je pense qu'avec le dialogue, on aurait pu éviter cette deuxième crise. Parce que, de toute façon, l'image du football burkinabé, même s'il n'est pas à terre, ce n'est pas reluisant. Et ceux qui nous regardent de dehors ne nous prendront plus trop au sérieux. Parce que si pour de l'argent, pour un oui, pour un non, comme, un peu comme des enfants gâtés, excusez-moi du terme, on dit qu'on l'enfant dit « je ne suis pas content de mon père, donc je ne mange pas », comme si tu mettais dans son ventre. Quand on joue au foot, vous, Arsène, en tant que journaliste, vous allez prendre votre plaisir, les joueurs prennent leur plaisir, les dirigeants aussi. Quand on met des millions dans quelque chose, ce n'est pas juste pour les beaux yeux des gens, mais je pense qu'enfin, il faut que nous ayons raison gardée, parce que ça commence à faire trop quand même pour ceux qui aiment ce sport. Seydou Belem, on croyait que la crise était terminée, finalement il y a ce rebondissement. On réclame encore les 25% qu'on avait réclamé précédemment. On pensait qu'on avait trouvé une solution. Finalement, ce n'est pas le cas. Tout à l'heure, vous disiez que vous êtes un peu au chômage technique. Finalement, comment vous viez votre chômage technique pour les arbitres? Alors, je constate seulement que c'est une année sportive très difficile pour tous les acteurs. Hein, que vous preniez des supporters, des arbitres, des footballeurs, même les présidents de clubs, même la FBF, nous constatons que c'est une année assez difficile. C'est vraiment regrettable parce que, vous savez... la compétition, c'est ce qui réunit vraiment les acteurs. Donc, comme le Madi l'a dit, nous, on pense que réellement, il faut que les acteurs là, puissent regarder pour qu'au moins, ce qu'on aime tous là, puisse pouvoir se pratiquer. Parce que vous voyez, avec cette crise, comme je l'ai dit, quand vous êtes un arbitre, vous êtes automatiquement au chômage technique parce que les gens ne se sont pas compris. Alors, malheureusement, avec la technologie aujourd'hui, ça se voit ailleurs. Je prends un exemple comme un arbitre international au Burkina Faso, qui sont sollicités pour les championnats au niveau international. Si c'est remarqué que ça ne se joue pas ici, bon, je ne suis pas trop sûr que les gens vont assez regarder. Les footballeurs, je sais que c'est le championnat qui est la vitrine où les gens viennent regarder et puis recruter des joueurs.
pour qu'il vienne animer l'équipe nationale. Si c'est arrêté, ce n'est pas sûr que dans un futur très proche, si on continue dans cette dynamique, on aura des joueurs pour venir renouveler notre effectif au niveau des étalons, qui pour beaucoup, bon, en tout cas nous pensons qu'ils tirent vers leur fin. Donc c'est vraiment assez difficile. Même nous les acteurs, ici au plan local, lorsqu'il n'y a pas de championnat, il est clair que les gens ne vont pas continuer à aller courir dans un stade mal de l'essai. Quand vous êtes arbitre, contrairement aux footballeurs, mais je vois que les gens ne parlent pas assez au niveau des arbitres. Pendant que les efforts là, quand vous prenez les études qui ont été faites sur le plan physiologique, un arbitre ça court plus qu'un footballeur. Mais oui, vous courez, c'est quand il y a prestation que vous gagnez quelque chose. À partir du moment où il n'y a pas quelque chose là, si ça doit perdurer, c'est obligé que les gens lèvent un peu le pied. Donc la conséquence c'est quoi? Quand on va les prendre, sur le plan des footballeurs, il n'y a pas assez d'automatisme. Ça va être un jeu très pauvre techniquement, tactiquement et même... Comme on l'avait constaté aussi après, avec les arbitres, ça va être un déficit physique. Donc réellement, ça n'arrange tout le monde. Donc ce que nous souhaitons là, est que les acteurs là, puissent vraiment se parler franchement pour qu'on puisse trouver quand même un consensus pour qu'au moins le football se joue. D'accord. Voilà ce que moi je peux dire sur cette question. D'accord. On va parler de plus d'un sujet qui nous apporte beaucoup plus de joie. On va parler de triple saut. Et la définition classique, c'est que c'est une épreuve consistant à couvrir la plus longue distance possible en sautant à partir d'une marque fixe après une course d'élan en exécutant une séquence de 3 sauts. Ce qu'on pourrait ajouter, c'est qu'à la fin, c'est toujours Hugues-Fabrice Zango qui gagne. Depuis quelques mois, le Burkinabé est comme sur une autre planète, vainqueur de la médaille d'or aux Mondiaux d'athlétisme en août 2023. Il a également remporté le championnat du monde en salle samedi à Glasgow avec une performance de 17 m53. C'est d'ailleurs sa meilleure performance depuis le début de la saison. On suit ensemble le reportage sur la performance de l'étalon triple sauteur. 2024 a débuté sur des chapeaux de roue pour Hugues-Fabrice Zango. Le 25 janvier, il arrache la médaille d'or au meeting de Valence avec 16 m90. Le 4 février, il est encore paré d'or au meeting de l'heure avec 17 m48. Il domine le 10 février le meeting de Levien avec un bon moyen de 17 m21. C'était l'ultime préparation au championnat du monde d'athlétisme en salle. Comme ça, dit comme ça, ce n'est pas une grosse performance pour moi, en tout cas pour ce que j'ai déjà pu montrer. Mais vu que j'ai répondu à un saut à 17 m18, je suis vraiment content parce que ça prouve que j'ai encore cette fibre de compétiteur. Ça, c'est très important pour les grands championnats. Et aussi, sauter dans une grande émotion, c'est vraiment des conditions championnat du monde, conditions Jeux Olympiques. C'est de bonnes répétitions qui me seront très utiles pour cette année jusqu'aux Jeux Olympiques. Le 2 mars à Glasgow, en Écosse, Hugues-Fabrice Zango va bonifier cette performance moyenne avec un bond de 17,53 mètres au cinquième essai. Après Budapest, en Hongrie, en 2023, il va s'offrir la médaille d'or pour la seconde fois à un championnat du monde. Aujourd'hui, quelqu'un aurait sauté 17,60, j'aurais fait 17,61 tout simplement. On le sait, ça dépend des concours. En fonction de la physionomie du concours, je m'adapte et je fais ce qu'il faut. Et franchement, je suis content. Maintenant, je peux me projeter. Je viens de cocher la dernière case qui me manquait. Cette domination de Hugues-Fabrice Zango sur le triple saut n'est cependant pas une surprise pour son entraîneur Teddy Tamgo. Force tranquille, animal. Animal, c'est-à-dire qu'il y a une part de fauve en Hugues, même sous ses airs de gentil garçon. C'est un individu, une personne qui a faim. Il aime justement avoir des objectifs. Il aime tout ramasser sur son passage. Donc c'est voilà, il a ce côté un peu fauve et instinctif. Le champion burkinabé sera aux 13e Jeux africains du 8 au 23 mars à Accra, au Ghana, pour ajouter une étoile dorée à son immense palmarès. Voici donc pour le résumé de la prestation de Hugues-Fabrice Zango à Glasgow pour le championnat du monde d'athlétisme en salle. Vainqueur du meeting de l'heure 2024, 17,15 m. Vainqueur du meeting de Liévin, 10 février avec 17,21 m. Vainqueur des mondiaux en salle en signant la meilleure performance de la saison. Le Burkinabé m'a dit qu'il ne laisse rien à la concurrence cette saison. Ben, je crois que Hugues-Fabrice est au sommet de son art. Et comme... Ça, c'est pratiquement, même pour un athlète comme lui, on ne peut pas prévoir sa fin. C'est un de ses derniers combats, les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Je pense d'ailleurs que c'est la meilleure période parce que quand on regarde aujourd'hui
la concurrence semble lui céder le terrain. Bon, on parle de Picardo qui est au-delà, mais lui, les blessures aidant, c'est pas de gaieté de cœur qu'on le dit, aurait pu le battre à la régulière, il est un peu en retrait. Mais il y a quand même d'autres athlètes qui sont capables de déranger Fabrice. Mais actuellement, en tout cas sur le circuit, Fabrice Zango semble ne pas, en tout cas, dominer la concurrence. Et tout ce qu'on lui souhaite, c'est d'avoir cette force, surtout mentale, et surtout la santé physique pour rester au top des tops, parce que en sport tout va vite. En une fraction de seconde vous êtes au sommet, en une fraction de seconde, que Dieu nous en garde, vous pouvez basculer aussi de l'autre côté. Et quand tu écoutes Hugues, c'est surtout l'assurance qu'il a, la détermination qu'il a, l'envie d'honorer ce pays. Ça fait qu'on est obligé un peu de revenir un peu à ce qui se passe dans le football. Hugues l'a dit, pour la médaille, pour les championnats du monde, il a dû dépenser de sa poche une cinquantaine de millions pour pouvoir honorer tout le pays. Donc, il a beaucoup investi. Faisal, pour le taekwondo, on l'a vu, il a lui aussi dû mettre la main à la poche. On va y revenir, Madi. Et aujourd'hui, franchement, voici, je ne dis pas qu'il ne faut pas encourager les footballeurs. Oui, il faut les encourager, mais je pense qu'il faut aussi regarder et très sérieusement du côté de ces disciplines individuelles. D'accord. Cédou Bellem, ce qui le caractérise aussi, c'est aussi cette force de caractère. Comme il le disait, si un athlète sautait 17,60 m, il serait allé chercher 17,61 m. Ça, c'est le mental du gagneur. Et ça l'aide aussi à se préparer pour ces JO de Paris 2024, où il a, dans un coin de la tête, envie d'aller chercher cette médaille d'or. OK. Alors, vous savez que le triple saut fait partie de ce qu'on appelle les sports explosifs. C'est encore plus compliqué que là-bas. Hein, parce que vous savez que la forme sportive, toute la difficulté dans ce type de sport-là, c'est comment il faut la maintenir à chaque fois que vous serez sollicité. Donc ici, au-delà de l'investissement personnel de Yves Fabrice Zango, il faut saluer aussi la qualité du coach qu'il a. Oui. Parce que quand vous regardez, il semble avoir une marge de progression jusqu'à présent. Parce que j'ai l'état qui dit que même si quelqu'un avait 1,1760, ça veut dire qu'il peut aller au-delà. C'est pour dire, voilà, c'est un environnement dans lequel il travaille, qui a travaillé à ce qu'il ait confiance en lui. Parce que vous savez que la forme sportive, il y a beaucoup de facteurs qui déterminent ça. Au-delà des aspects techniques, physiques, il y a même l'environnement, même le terrain, là où il s'entraîne. Je ne suis pas sûr que s'il s'entraînait à l'Institut, là, c'est pas sûr qu'il allait faire de telles performances. Donc, c'est salué aussi. Peut-être sur au stade Sanglé, la Misana du Bobo. Voilà, c'est pas évident. Mais reconnaissons que quand même, c'est ici que les gens l'ont détecté. Oui. Donc, en tout cas, c'est une résultante d'un travail qui est vraiment fait par des gens qui connaissent le sport. Parce que réellement, à ce niveau-là, de toujours garder, parce que moi je l'ai suivi depuis des années, je vois que chaque fois il y a une marge de progression et il n'a pas fini de progresser. En tout cas, comme Marie l'a dit, c'est un individu sur lequel nous, en tout cas, on attend peut-être aux Jeux Olympiques là, la médaille d'or, parce que réellement, le sport aujourd'hui, c'est le véritable ambassadeur qui fait que les Burkinabés sont contents de ceux qui font hisser les drapeaux du Burkina très haut. Et Yves Fabrice Zango l'a démontré par plusieurs fois. Et en tout cas, toutes nos éditions l'accompagnent, qu'il puisse continuer. Et il faut aussi, en tout cas, saluer le travail qui est fait par ses coachs. D'accord. Quel facteur pourrait expliquer que le Burkinabé soit si performant dans sa discipline? Selon le directeur technique national, des facteurs physiologiques, climatiques et même biologiques conditionnent parfois les compétences de certains athlètes dans certaines disciplines sportives. On écoute Missili Théophile Sawadou. Il y a beaucoup de facteurs, non seulement les facteurs climatologiques, et aussi le facteur héréditaire. Parce que généralement, ceux qui sont dans des pays où il fait plus froid sont prédisposés à avoir des fibres musculaires à contraction rapide, donc ce qui sous-entend qu'ils peuvent être très bons dans les épreuves de sprint ou dans les épreuves explosives comme les lancers et les sauts. Nous sommes un tout petit peu vers le sprint hein, et comme le sprint va aussi avec les sauts, c'est à cause de ça que nous avons des champions d'Afrique peut-être au triple saut. Nous avons des champions ou vice-champions d'Afrique en sprint. Nous avons des champions d'Afrique ou vice-champions en haie. Et finalement, nous avons une heptathlonienne. Absolument. C'est l'erreur que beaucoup de jeunes entraîneurs font et en spécialisant très tôt les enfants. Alors qu'un enfant, avant d'avoir atteint la catégorie U20, les juniors moins de 20 ans au 31 décembre de l'année de la compétition,
doit toujours essayer de faire au moins plusieurs épreuves. Un junior qui veut s'orienter sur le sprint doit être capable de faire sprint long, et qu'il va de 100 mètres jusqu'à 400 mètres possible en passant par les haies et autres. Malheureusement, nous, quand le type vient, c'est seulement le plat 100, 200, mais ça s'arrête là. Donc, avant que le type ne puisse développer toutes ces différentes capacités biomotrices qui sont indispensables pour sa spécialisation, il est déjà étouffé. Voilà pourquoi le haut niveau, nous n'arrivons pas à l'atteindre, parce que nous allons trop vite en besoin avec la spécialisation très, très précoce des jeunes. Alors voici donc, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Seydou Belem, c'est-à-dire que même dans le choix des disciplines sur lesquelles il faut peut-être le plus compter, il faut savoir choisir aussi en fonction du climat, en fonction de beaucoup de paramètres aussi, les sports dans lesquels on a beaucoup plus de prédispositions qui peuvent nous permettre aussi de pouvoir avoir très rapidement des lauriers et à long terme aussi. Très clair, parce que quand vous regardez en Europe, aujourd'hui, ce que le DTN a dit, quand vous prenez un individu, il y a ce qu'on appelle les fibres musculaires. Alors, tout le monde a les mêmes types de fibres musculaires, mais avec des prédispositions différentes. D'accord. Quand vous prenez un individu qui a une prédominance de fibres musculaires rapides, ça veut dire qu'il est prédisposé à faire des activités rapides, notamment parce que Fabrice Django fait. S'il n'avait pas de fibres musculaires rapides, il ne peut pas être comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de fibres lentes, mais les fibres rapides là sont dominant. En tout cas dominantes chez lui. D'accord. C'est pour dire que s'il est déjà dans ça, ça veut dire qu'il a hérité de ça de ses parents, qui vous fait un travail scientifique et bien dosé par un coach qui connaît. Il a la chance d'aller loin. Les Européens, sur le plan physiologique, sont arrivés à détecter ce genre de personnes. Donc là-bas, on n'oriente pas quelqu'un comme ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous prenez quelqu'un qui a des fibres lentes, vous le faites un entraînement de force explosive, parce que ça, c'est la force explosive qu'on est d'accord. En train de faire. Hein. Vous faites un entraînement, c'est ce qu'on appelle des phénomènes de recrutement. Ça veut dire, vous allez le transformer un peu, mais il ne peut pas concurrencer avec celui qui est né avec ça. Mais maintenant, même si tu es né avec ça, c'est l'entraînement en réalité qui permet de bonifier. Mais ce n'est pas parce que vous êtes né avec ça que les autres paramètres ne comptent pas. Il y a la question de récupération, il y a la question d'alimentation, il y a la question même de technique de celui qui vous entraîne, il y a la question liée aux infrastructures, il y a la question liée à l'environnement. Oui. Donc, c'est ce qu'on a dit. Par exemple, il y a une discipline qu'on appelle la théorie et méthodologie générale de l'entraînement sportif. Là-bas, c'est-à-dire même sur le plan psychologique. Par exemple, quand vous voyez Yves Fabrice Zango, quelqu'un qui vient de sauter, et il met à défi tous ceux qui veulent venir dépasser là, il va faire plus. Ouais. Ça veut dire que mentalement, il est prêt. Donc tout ça, là, c'est une somme de personnes qu'il faut avoir, que non seulement connaissent, mais ça demande d'abord un premier bon choix. Donc voilà ce que je peux dire sur ça. D'accord. Madi, veux ajouter quelque chose? Oui, je veux dire que par rapport à la spécialisation, je pense que je crois un pays qui donne une bonne leçon dans ce sens, c'est la Jamaïque, avec le sprint. Parce que, ils ont compris très rapidement. Hein. Oui, non, mais en Jamaïque, par exemple, eux, ils ont fait l'option du sprint depuis pratiquement les années 1940-46. Ils ont opté d'être des sprinteurs. Et le sprint, on commence à prendre le sprint à l'école. Et je lisais un document où on disait que le championnat national d'athlétisme en Jamaïque, le stade de Kingston qui fait 38 000 places refuse du monde. Donc ça veut dire qu'ils ont fait l'option de ne faire que du sprint. Et quand vous regardez les Jeux Olympiques, que ce soit en hommes ou en dames, ben, sauf les Américains qui arrivent à les concurrencer, ben, si la Jamaïque vient, la Jamaïque prend ces choses, prend ses médailles en sprint. Comme les pays des hauts plateaux, le Kenya, l'Éthiopie, dans les courses de fond, ben là, c'est l'altitude donc qui les aide. Donc moi, je pense que nous, ici, il nous faut aussi apprendre à nous spécialiser, à opter pour des disciplines où nous avons donc des faveurs donc, naturelles, climatiques, héréditaires, comme Belem le disait, et y mettre l'accent parce qu'on ne peut pas être bon partout. Or, quand on embrasse tout, c'est... Bon, un Burkinabé marathonien, il faut s'entraîner sérieusement parce que bon, il y a beaucoup de facteurs qui n'y sont pas. D'accord. Mais bon, au niveau des sports d'explosion comme le triple saut et autres, je crois qu'on a beaucoup de facteurs et il faut beaucoup insister, à mon avis, là-dessus. D'accord. Depuis son arrivée à Villarreal, il s'était seulement contenté de bout de match, mais ce week-end, Bertrand Traoré était titulaire pour le match face à Grenade. Le sous-marin jaune s'est baladé 5-1 et l'international burkinabé y a été pour quelque chose en livrant une belle prestation. On vous propose cette compile de quelques actions du capitaine des étalons du Burkina Faso.
Voici donc pour ce qui est de la prestation du capitaine des Italons avec son nouveau club Villarreal en Liga Espagnole. 75 minutes de jeu, 29 ballons touchés, 89% de passes précises, 3 tirs dont 2 cadrés et surtout impliqués sur 4 buts. C'est le Belém, j'ai envie de dire, c'est le Bertrand Traoré qu'on a envie de voir pratiquement tous les week-ends dans les grands championnats. Exactement. Parce que quand vous regardez Bertrand, sur le plan du talent, il n'y a pas à discuter. C'est l'un des meilleurs talents vraiment de l'Afrique. Maintenant, moi, je pense que, ça c'est mon avis personnel, hein. Je pense que Bertrand se trouve maintenant dans un championnat, il va pouvoir mieux s'exprimer. Parce que quand on prend... L'Espagne, c'est le type de championnat qui est fait pour lui, selon vous? Moi, je pense. Je pense que parce que là-bas, l'aspect est un peu mis sur le plan technique, à mon avis, hein. Physique, un peu technique. Mais quand vous prenez un championnat comme le championnat d'Angleterre, là-bas, tous les paramètres sont tellement exigeants. C'est tellement exigeant là-bas que je pense que, bon, avec un peu la fragilité un peu de M. Traoré Bertrand, fait que c'était un peu difficile pour lui. Mmh. Alors, moi, je pense réellement que Villarreal, si, en tout cas, Bertrand récupère sa forme d'avant, ça va être un des meilleurs joueurs du championnat. D'accord. Parce que réellement, sur le plan technique, il n'y a rien à dire. Il reste maintenant à travailler et puis, bon, faire en sorte que les blessures, c'est vrai qu'on ne peut pas les prévoir, mais si les blessures, en tout cas, laissent Bertrand Traoré en paix, d'ici quelques années, c'est vrai qu'il commence à prendre de l'âge, mais bon, on peut le compter parmi les meilleurs joueurs africains. D'accord. Madi, oui. Impliqué sur 4 buts, même s'il ne marque pas, il ne délivre pas de passes décisives, mais quand même, il a été un élément important de cette victoire 5-1 de Villarreal face à Grenade. Oui, c'est vrai. Ce n'était pas l'adversaire du siècle non plus. Grenade, je crois que c'était la lanterne rouge, mais ça n'enlève rien à sa prestation. Oh, j'attends, il faut le voir quand même sur la durée, parce que c'est sa première titularisation, comme vous l'avez dit. Il a fait une bonne prestation, il a dû convaincre Marcelino. Malheureusement, il n'est pas inscrit pour la Coupe d'Europe, puisque il ne sera pas à Marseille jeudi. Mm-hmm. Il n'est pas inscrit pour la Ligue Europa, c'est dommage pour lui. Ça aurait pu être encore une autre fenêtre. Mais s'il continue, parce que le problème de Bertrand et de tous les footballeurs burkinabés, c'est la constance. Sur un match, il est bon. Le deuxième, compliqué. Le troisième, on ne le retrouve pas. Le quatrième, il revient. C'est difficile de bonifier un joueur comme ça. Mais j'espère qu'avec l'âge qu'il a et l'expérience qu'il a, il va savoir gérer son corps. Parce que c'est le gros, parce que c'est ça le souci de Bertrand, c'est gérer son corps. Les blessures, on ne peut pas les prévoir, mais on peut prévoir sa façon de se gérer par la récupération, par l'alimentation, par beaucoup de facteurs qui font qu'un joueur est performant. Et je crois que lui, il a déjà l'expérience pour... Ce premier match est encourageant et je pense que ça va appeler d'autres parce que d'abord, pour lui-même, d'abord, puisque c'est sa carrière qui est en jeu, et pour le pays ensuite, parce qu'il y a des échéances qui arrivent pour les Italiens. D'accord. Le Burkina Faso engrange des médailles dans plusieurs disciplines, mais est-ce à la hauteur des investissements du pays? Les acteurs du domaine ne répondent pas à la négative. Dans toutes les disciplines, les moyens font défaut. Et c'est parfois grâce à la bonne volonté de certains bons samaritains ou des familles des athlètes que ces résultats sont possibles. Mais à la fin, c'est toujours le Burkina Faso qui récolte les lauriers. On va voir ça avec Benjamin Kwame. Au Burkina Faso, comme dans tout autre pays, les succès sportifs sont célébrés avec solennité au plus haut niveau. Le 22 mai 2023, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu les étalons cadets médaillés de bronze de la 15e Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être que vous ignorez certaines choses. Ce que vous donnez comme joie au peuple à travers ces victoires-là, vous ne pouvez pas vous-même comprendre. À chaque fois qu'il y a un match des étalons, c'est de l'adrénaline qui se sécrète. Et quand on a de la victoire, c'est encore plus. Toutes vos actions, vos belles actions sur le terrain, ça donne de la joie au cœur. Même sur le front, ça contribue beaucoup. Avec la lutte antiterroriste qu'il mène depuis une dizaine d'années, le Burkina Faso peut s'appuyer sur les exploits de ses sportifs au même titre que la lutte armée. Les couleurs de ce pays-là, quand il faut les défendre, là, ce sont des Burkinabés qu'on va appeler pour aller les défendre. C'est une sorte de résilience malgré tout ce que le pays traverse. Mais encore, les gens sont encore... Le pays est debout et que rien ne va nous arrêter. Je pense que JO 2024,
ce serait l'apothéose, comme on dit. Mais la situation actuelle du sport est en déphasage avec cette grande fierté qu'offrent ses résultats. Le Burkina Faso se retrouve dans la situation de 1978 où le Kadiogo Football Club a été privé de finale de Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe, faute de stade pour accueillir un tel événement. Et la CAF avait demandé à Tapsoba Bobo Adrien, votre équipe joue la demi-finale, si vous êtes qualifié, votre stade municipal, là, vous allez pouvoir aménager le stade là pour abriter la finale. Donc Tapsoba Bobo Adrien a dit que non, eux n'ont pas les moyens pour abriter la finale. Donc, quand nous sommes partis à Conakry, pour le match retour, la CAF a désigné un arbitre du Nigeria. Il a tout fait pour nous éliminer, mais il ne pouvait pas. J'ai joué 13 minutes d'arrêt de jeu. Et malgré ça, j'ai dit aux défenseurs, les Célestins, les Colons nationales, et de jouer une défense haute pour qu'ils ne suivent pas un pénalty. Et c'est en jouant ça qu'on a envoyé une longue balle et Kerfara Bangoula était seul derrière, à peu près 5 mètres derrière. Le jeu de touche a levé le drapeau. L'arbitre central a dit de jouer. Ils sont partis, ils ont marqué. Quand ils sont venus au centre, il a arrêté le match. L'équipe était bonne, mais sur le plan économique, ce stade-là ne peut pas abriter une finale. Voilà, parce qu'on n'avait pas de moyens. Sinon, l'année-là, le Kadiogo prend la Coupe d'Afrique. Comme il y a 50 ans, le Burkina Faso regorge de talents de niveau mondial, mais les Burkinabés sont obligés de suivre leur performance à la télévision pour cause du stade non homologué. Les récentes déclarations du premier responsable du département des sports ne présagent pas d'une fin rapide de cette privation. Beaucoup de talents, mais les moyens font défaut. C'est du Belém. J'ai envie de dire, finalement, on se dit, dans un pays comme le Burkina Faso, où très souvent on dit que tout est prioritaire, est-ce que ce n'est pas aussi normal que le sport ne soit pas vraiment, vraiment la priorité des autorités? Vous pensez qu'on peut trouver un juste milieu? Oui, bon, dit comme ça, je ne pense pas que ça ne soit pas une priorité pour les autorités. Parce que si vous regardez déjà la participation à la CAN, je pense que c'est beaucoup d'argent qui a été mis là-bas pour que les étalons quand même puissent participer. Donc je ne pense pas que ce soit là-bas. Mais je suis d'accord que les questions infrastructurelles sont des questions liées à la performance. Comme je l'avais dit tantôt, si Yves Fabrice Zango était au Burkina Faso, s'entraînant au Sar Wobi, je ne suis pas sûr qu'il allait faire les 17 mètres. Du reste, lorsque vous vous entraînez sur des infrastructures qui ne sont pas adaptées pour des sportifs d'un certain niveau, parce que quand vous regardez les gens comme Yves Fabrice Zango, regardez sa musculature. C'est-à-dire que les muscles sont développés jusqu'à un certain niveau. Oui, bien sûr. Lorsque l'environnement dans lequel la personne s'entraîne n'est pas adapté, les conséquences, ce sont les blessures. Les conséquences, ce sont les blessures. Hein. Et il y a des athlètes aujourd'hui, Madi était tantôt de le dire, la plupart de nos athlètes, vous voyez, par exemple, quelqu'un quitte ici, il va en Europe, après on dit qu'il s'est blessé, on comprend. C'est eux seulement qui se blessent. La réalité est que les gens se sont blessés ici, parce que le terrain n'est pas favorable. Lorsque vous faites du sport, on appelle ça que c'est faire, c'est agresser l'organisme. Donc il y a des micro-traumatismes. Si ce n'est pas bien fait en matière de récupération, il faut savoir que ça va vous suivre. Et nous savons que dans notre environnement, toutes les structures n'ont pas toutes les commodités qu'il faut pour accompagner l'athlète. En Europe, quand vous êtes un athlète d'un certain niveau, vous avez des médecins sportifs qui vous suivent, ainsi de suite. Les petits bobos sont soignés comme il le faut. Mais ici, ce n'a pas été bien soigné. En traumatologie, comme on appelle ça, si vous avez des traumatismes qui ne sont pas bien soignés, en fait, ça constitue un foyer de nouvelles blessures. Donc, en réalité, c'est ça. Donc, ce qu'il faut dire ici est que réellement, les autorités puissent regarder pour qu'on puisse avoir des infrastructures. Parce que vraiment, pour développer, il faut des infrastructures qui sont aux normes. Et parce que si vous ne les avez pas, non seulement vous n'allez pas pouvoir jouer chez vous, comme c'est ce qui se passe actuellement chez nous au football, et vos athlètes sont exposés à des blessures. Voilà ce que je peux dire. D'accord, on va parler un peu de golf. On va partir direction pour le parcours du Golf Club Inaba Nimbolbo de Ouagadougou. Ce week-end avait lieu la troisième édition d'une compétition qui a été remportée par Bukare Ouédraogo. Le compte-rendu, c'est avec Maxime Boudou. Bukare Ouédraogo est le meilleur golfeur de la troisième édition de la compétition du Golf Club de Ouagadougou. Sur un effectif de 43 compétiteurs, l'homme a réussi avec précision et habilité à faire la différence en logeant le maximum de boules dans le trou à l'issue du parcours des 18 trous. Des qualités qui sont le fruit de plusieurs semaines d'entraînement. Je me suis vraiment fait confiance. Donc aujourd'hui, vraiment le jeu a été très bien.
j'arrivais à envoyer la balle où je voulais, à part quelques pertes que j'ai ratées. Sinon, j'étais confiant de moi-même. Ils avaient le niveau très élevé, parce que là, je crois que la première série, c'est la série des meilleurs joueurs. Donc, il y avait vraiment des joueurs de haut niveau. Et heureusement, j'ai pu arriver à gagner. Donc, encore, je me dis merci. Et vraiment, je crois qu'il faut se faire confiance. Au-delà des hommes, il y a ces femmes qui excellent dans ce sport de précision. Certaines se sont données pour défi de faire flotter les couleurs nationales à l'international. Quand je venais ici, je voyais le golf comme un sport inaccessible. Inaccessible déjà par le jeu, parce que quand tu regardes de loin, tu te dis « Ah, ça là, c'est très très compliqué, comment je vais faire pour jouer ?» Mais en m'y mettant, petit à petit, je me suis rendu compte que c'est un sport qui est quasiment accessible par le jeu, parce que les procédés pour jouer, c'est très facile. Et il suffit de s'y mettre et vous allez découvrir qu'il n'y a rien de sorcier. Aujourd'hui, être la première des dames, c'est vraiment un honneur parce que je déclasse une grande sœur qui est aguerrie au sport du golf ici, qui est une très très bonne joueuse. Et ce trophée me réconforte à m'améliorer et aussi à donner le meilleur de moi-même pour représenter valablement le golf. Voilà. Si d'aventure je devrais un jour représenter mon pays, ça serait avec la plus grande fierté que j'irai brandir le drapeau de mon pays. Cette compétition vise à démystifier la pratique de ce sport au Burkina Faso. Pour les initiateurs, loin d'être un sport de bourgeois, le golf connaît progressivement un engouement auprès de la population, même s'il est toujours pratiqué sur un terrain nu, contrairement à l'international où il se joue sur du gazon. Avec ces compétitions, nous pensons quand même toucher le grand public pour faire connaître le golf à un public assez large afin que les gens puissent venir apprendre à jouer au golf et un peu démystifier le golf également. Voilà. Le golf burkinabé se porte assez bien et notre souhait le plus ardent est que dans les années qui suivront quand même que nous ayons des gens à l'international qui puissent défendre le drapeau du Burkina. Nous avons la série nationale qui sont de très bons joueurs et qui pourront quand même compétir à l'échelle internationale. Créé en 1972, le golf fonctionne sous forme de fédération depuis 2023 au Burkina Faso. Il est pratiqué sur un terrain qui respecte les normes internationales, à en croire les premiers responsables de cette discipline. Alors pour vous qui nous prenez en cours d'émission, je précise que nous sommes avec deux invités, Madi Zongo que vous connaissez bien, et aussi avec Seydou Belem, le président de l'AMAF, l'amicale des arbitres du Faso Foot. Alors Seydou Belem, il y a, pour être beaucoup plus précis, le 24 janvier, vous avez envoyé une lettre au président de la commission de la relecture des textes pour, dites-vous, le changement de paradigme pour une meilleure gouvernance de l'arbitrage burkinabé. Déjà, c'était quoi l'objectif de cette correspondance que vous avez envoyée au président de la commission? Ok, merci beaucoup. Il faut dire effectivement que le 24, nous avons envoyé une correspondance au président de la commission de lecture des textes. Je rappelle que je suis le président de l'amicale des avis du Faso Foot. Il y a aussi une autre association qu'on appelle UNAF qui a aussi envoyé une lettre dans le même sens. D'accord. Alors nous avons souhaité, parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans le football, il y a quand même des difficultés, ce qui témoigne de l'arrêt que nous voyons. Bien sûr. Alors, je pense que les acteurs avaient décidé que cette année, au regard des élections à venir, il faut relire les textes pour les adapter à la réalité du Burkina et du moment. C'est dans de ce point de vue que nous avons estimé que pour faire les choses, il faut le faire de façon globale et puis ne pas faire à moitié et puis après, bon, d'autres problèmes peuvent surgir. Étant quand même dans le milieu depuis plus d'une dizaine d'années, nous avions analysé, nous avons estimé qu'il faut changer de paradigme. Parce que vous vous souvenez que l'année dernière, nous avons fait une conférence où on a réuni, en tout cas, la majorité des acteurs du football, que ce soit les anciens ou les nouveaux, pour réfléchir à comment, dans les grandes compétitions internationales et ici, nous puissions être beaucoup plus performants. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, bon, on est quand même un peu critiqué, à tort ou à raison par moment. Sur le plan international, on voudrait quand même qu'à la CAN, ça ne soit pas toujours Seydou Tiama qui soit le seul à être là-bas. On a voulu aussi que d'autres personnes aillent. Après avoir réfléchi, nous avons trouvé que le mode d'élection du président, de notre point de vue, constitue une des difficultés. Parce que, comme vous le savez,
L'arbitrage, c'est une commission indépendante. Parce que j'ai dit, les arbitres, ce sont des jurys du football Madiela. C'est nous qui sommes chargés que, en tout cas, la meilleure des équipes puisse gagner sur le terrain. Et ce qui se passe jusqu'à présent, c'est la façon qu'on appelle la coaptation. Ça veut dire qu'un président est nommé, un président arrive à la tête de la fédération, il nomme son président de la commission centrale des arbitres. Ou bien c'est une élection de liste où celui qui est candidat, il met un arbitre. S'il y a plusieurs candidats, ça veut dire qu'il faut trouver plusieurs arbitres pour mettre dans les listes. Nous avons constaté que cette façon de faire crée des problèmes. Parce que, premier problème, quand ceux qui vont aller à la CCA et d'autres ont été candidats qui n'ont pas eu, le plus souvent les gens la regardent comme des adversaires. Premier problème. Deuxième problème, pour vraiment jouer la question de neutralité, je parle bien de neutralité, et se concentrer sur la question de performance, nous avons estimé qu'il faut aussi regarder ce qui se fait ailleurs. Notamment au Cameroun, ce sont les arbitres qui élisent les présidents. Au Sénégal également à côté, où ils avaient beaucoup d'arbitres à la CAN, c'est comme ça que ça se fait. C'est les arbitres qui élisent les présidents. Nous avons expérimenté la question de cooptation, c'est-à-dire de nomination. Permettez qu'on on fasse. On a demandé à la commission de faire en sorte qu'on change pour voir est-ce que, de façon intrinsèque et qualitative, on ne va pas faire un bond en avant. Donc voilà de façon ramassée ce que nous avons écrit. Parce que nous savons que nous sommes dans un pays où, sur le plan social, le Burkinabé, il est trop humble. Si quelqu'un vous amène, si quelqu'un vous prend de venir l'aider, le plus souvent, il est difficile pour vous de dire non à cette personne. Pourtant, pour une commission qui doit être indépendante, il faut que les acteurs soient dans un minimum pour les permettre de vraiment faire ce qu'il faut. Vous constatez que l'année passée, même pour des questions de maillot, il a failli que les arbitres grèvent. Même pour des questions de formation en début de saison, il a failli qu'on fasse des grèves pour pouvoir avoir ce qu'on en a besoin. Donc, vraiment, sans être contre quelqu'un, nous avons estimé qu'il faut faire cela. Si nous, les arbitres, on trouve de façon consensuelle, parce qu'on ne va pas mettre quelqu'un à l'écart, hein. C'est les arbitres, que ce soit nouveau ou ancien, on va s'asseoir pour trouver la formule, on va élire notre président, et tout le monde est obligé de s'aligner derrière cette personne, et on va mettre nos énergies ensemble pour qu'on puisse faire un travail propre qui va en tout cas satisfaire les acteurs de notre point de vue. Donc voilà de façon ramassée ce que je peux dire sur la note, ou bien les notes que nous avons envoyées au niveau de la commission de lecture des tests, espérant que si ça passe là-bas, les clubs vont entendre notre cri de cœur et ils vont aller dans notre sens et on va expérimenter. Si on fait qu'il y a des problèmes, on va revenir dans l'ancien système. Mais il ne faut pas continuer de faire la même chose et espérant avoir des résultats meilleurs. D'accord. Je vous rappelle que c'est une note dans laquelle vous avez fait trois propositions. Là, on est déjà revenu sur la première proposition. On va revenir sur la deuxième, notamment, qui dit qu'il fallait que le président de la commission des arbitres choisisse son directeur du département et les membres de sa commission, et aussi que les présidents des commissions régionales soient choisis par les arbitres des circonscriptions territoriales. On va revenir dessus après le prochain élément. Relatif à Israël Mano, qui était en compétition à l'Africa Knockout Championship, qui était du côté du Nigeria. Le Burkinabé affrontait le Nigérian Dennis Johnson, militaire de profession dans la catégorie des poids lourds légers. L'étalon du MMA s'est incliné par décision partagée du jury. On va vous proposer les temps forts du combat qui a opposé le Burkinabé au Nigérian. From Minos Johnson, holding each other. We need more action, actually. Well, you have to remember. Rounds, which means 15 minutes for these two ultimate warriors to determine who is going to come up top. Oh, wow, we had the first takedown. There we go. Have a flying knee to the head, indeed. We can see the coaches of both fighters shouting out instructions, and we are back. Long way to go in this fight, a long way it seems. Sorry, ladies and gentlemen, I expected a knockout in the first 30 seconds, but sometimes such is fighting, you know. Punch landed. Menu could be in trouble. Obviously, he's taking lots of punishment now. He is taking. Doesn't put up anything in terms of offense in the second round. Hey, that's what happens when you're tired. That's what happens when you're tired, Victor. A bit of a slip there. Johnson, Menu is there for the taking. Menu is just begging to be put up. Oh, my God. The first fight, not the third round. This is tremendous conditioning. He's exhausted. And you know, like, when you're tired, that's when you need to be smart. You need to pick your shots. It's easy to say that from commentary position, Hugo. But you can't really, I should say. Decision. Dennis Stone Johnson!
Voici donc les images de ce combat entre Dennis Johnson, le Nigérian, et Israël Mano, le Burkinabé Madi. Malheureusement, la victoire n'est pas au bout pour Israël Mano, mais on peut dire aussi que c'est l'apprentissage qui se poursuit. Oui, bon, je ne sais pas comment on note les points dans cette discipline. Bon, on a l'impression qu'il y a un peu de d'arbitrage maison, hein, au vu des difficultés. Bon, c'est très possible, hein, pour avoir regardé les trois rounds. Oui. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à redire aussi. Oui, et puis généralement dans les disciplines de combat, quand on vous envoie au tapis deux fois comme ça, bon, ça vous enlève beaucoup de points. Peut-être que le Nigérian a gagné les deux premiers rounds et Israël Mano un seul round, mais bon, on va concéder cela, comme vous l'avez dit, en se disant que c'est l'apprentissage pour Israël Mano. Mais c'est déjà bien d'affronter des adversaires d'un tel niveau. On espère qu'il va continuer parce que, vous savez, lui, il a fait tout. Hein. Il a fait du Vovinam, il a fait de la boxe, il a fait... Donc, c'est pas bon d'être sur son chemin. Hein. Voilà. Effectivement. Alors, Sédou Belem, tout à l'heure, on poursuit avec les échanges avec vous sur la question de l'arbitrage burkinabé. Et comme je disais, l'une des propositions que vous faites dans votre correspondance, c'est que le président de la commission des arbitres choisisse lui-même son directeur du département. Il est membre de sa commission avec des critères prédéfinis. Comment ça se fait actuellement? Alors, il faut dire que ça, c'était une recommandation des instances internationales de football. Hein. La CCA, ça veut dire le président de la commission centrale des arbitres, ça a un rôle un peu politique en réalité. Le département de l'arbitrage, en fait, c'est la cheville technique de l'arbitrage en réalité. Maintenant, actuellement, dans les textes actuels, et ce que nous voulons, c'est ce que la FIFA recommande. En fait, celui qu'on va élire comme président de la commission centrale des arbitres, c'est celui qui va choisir son technicien. Puisque le directeur du département de l'arbitrage, c'est le technicien en réalité comme ça. C'est lui qui s'occupe des questions, de certaines questions liées au développement de l'arbitrage de façon globale. Donc nous, ce qui nous intéresse, est que c'est la personne qui... Le président de la commission centrale des arbitres, que nous on va élire, et c'est lui qui va choisir son DDA. Parce que si nous on l'a élu, et puis il va choisir un DDA qui ne peut pas faire le travail, bon, dans tous les cas, c'est aux arbitres qu'il va rendre compte. Maintenant, si ce n'est pas choisi par nous, il est un peu difficile à un moment donné de demander des comptes pour quelqu'un dont vous n'avez rien à voir avec sa venue, quoi. Donc, c'est ça. Donc, en fait, ce qui se fait actuellement, c'est comme ça. Même si vous avez été coopté, c'est vous qui choisissez votre directeur de département. Et même si on l'élit là, jusqu'à présent, c'est le président de la commission centrale des arbitres qui choisit son directeur de département. Et au niveau déconcentré, au niveau régional aussi, territorial, et dans les circonscriptions territoriales, quoi que vous demandez aussi? Voilà, là-bas, c'est au niveau des CRA. Vous savez que l'arbitrage est organisé d'abord au niveau des provinces, au niveau des régions, avant au niveau au niveau national. Alors, au niveau des régions également, vous savez que les arbitres, là, ce n'est pas comme les clubs, parce que là-bas, les arbitres, là, leur club, en réalité, ça ressemble à la fédération. Donc, au niveau des régions, il y a des gens qui sont chargés de la question d'organisation au niveau régional. Donc nous avons souhaité que là-bas également, que ce soit les arbitres qui sont dans la région qui choisissent qui va être leur président. Parce que la conséquence actuelle, c'est quoi? Si vous ne choisissez pas votre président, bon, le plus souvent, il prend des gens et à la limite, vous ne les voyez même pas. On va dire par exemple que vous êtes d'une commission régionale des arbitres où vous avez 10 personnes et à la fin, c'est 3 personnes que vous voyez. En fait, ça ressemble un peu bon à un collège d'amis, pendant qu'il faut réellement regarder pour choisir des gens qui vont se retrouver pour faire le travail qu'il faut. Donc nous, on a estimé que bon, là-bas aussi, comme c'est au niveau régional, les arbitres qui sont dans la région vont choisir leur responsable qui va vraiment s'entourer des personnes qui vont l'aider à atteindre l'objectif qu'il faut. Parce que la commission nationale, là, ne peut que s'appuyer sur ce qu'il fait dans les régions pour pouvoir arriver. Donc c'est dans la suite logique que nous avons dit, bon, au niveau national, si on doit choisir le président, au niveau régional quand même, il faut également que les arbitres qui constituent la région puissent choisir celui qui va être leur représentant. Parce que je vous rappelle qu'il y a des zones actuellement où il n'y a pas de président de commission régionale. Parce que le président de la Ligue, comme c'est lui qui doit choisir, il veut choisir des gens qui ne sont même pas forcément des arbitres. Pendant qu'au niveau de la FIFA, tu ne peux pas gouverner les arbitres lorsque tu n'es pas arbitre. Même si dans certains pays, on a choisi des gens qui ne sont pas des arbitres là. La FIFA, dans ses documents, sont clairs. Pour gérer les arbitres, il faut être un arbitre. C'est aussi logique. Et nous avons des régions où... Jusqu'à présent, il n'y a pas de président. Comment dans ces régions-là, les choses fonctionnent, hein? Comment ça fonctionne dans ces régions-là, s'il n'y a pas de président? Bon, les arbitres se débrouillent comme ça. Ils sont obligés de prendre les informations avec d'autres régions. Donc, ce qui fait que, bon, sur le plan local, en termes d'animation, ce n'est pas toujours évident. D'accord. C'est les arbitres qui se débrouillent eux-mêmes.
Voilà, donc réellement, si on adopte ça, c'est pour dire que cette question est finie. Ce n'est plus quelqu'un qui va choisir son ami, ou bien ce n'est plus quelqu'un qui veut choisir quelqu'un qui n'est pas arbitre. Voilà, donc c'est ça. C'est désormais Razak Wandaogo, l'homme fort du circuit Z, à la finale de cette compétition. De force, il a détrôné le champion sortant Alassane Sandaogo. La finale de cette compétition organisée par celui qu'on appelle le Pangnaba K2 a connu la participation de 4 pays. C'est avec Luc Pagbelgem pour le résumé. Le titre 2024 de l'homme fort du circuit Z s'est joué à quelques secondes près entre le champion sortant et entrant. Le nouvel homme fort a fait 6 secondes de moins que Caterpillar Junior à l'état civil Alassane Sandaogo. Si Caterpillar Junior boucle le circuit en 1 minute 34 secondes, Razak Wandaogo pliera l'affaire en 1 minute 28 secondes. Le trophée 2024 a pris la direction de Bobo Dioulasso et c'était celui-là même qu'il avait remporté à l'édition 2022. Il y a eu contestation quand même du staff de Sandaogo. Sur ces images, on voit bien Razak se faire aider pour soulever ses derniers haltères. Je suis venu faire la compétition. Par la grâce de Dieu, j'ai été premier. Donc je demande, je salue toutes les populations pour le soutien. Am kade fo ka kade wari ñuman lo ay baram ke me convention kon ke ko ma ñe parce que ni convention na ke kele ali may mo mo way kele convention ati ka nga sanctionné. Chez les dames, Nouria Kwanda est la plus forte en un temps d'une minute. Awa Ouedraogo est dauphine en 1 minute 4 secondes et Séverine Sawadogo 3e en 1 minute 18 secondes. Inoussa Bonkungu dit K2 se bat comme un beau diable pour tenir chaque année sa compétition. Pour lui, le log lift peut rapporter plus de lauriers au Burkina Faso, mais malheureusement, il est obligé de composer avec la rareté de partenaires. J'ai appelé bien sûr à les autorités de tourner lui aussi vers Nord Sport, car nous avons également besoin de soutien. Voilà, parce que quand vous prenez aussi ce sport-là, nous avons aussi des champions du monde. Voilà, si vous prenez tout coup, il y a Aaron Bibi qui est champion du monde de la compétition que nous sommes en train d'organiser, qui est une compétition de strongman. Donc, quand même, ça demande du soutien. Le Turkménistan, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso sont les 4 pays participants à l'édition 2024. Razak Wandaogo trône désormais sur le log lift burkinabé avec son sacre à cette 6e édition de l'homme fort du circuit Z. Maintenant, on va aller à la rencontre d'un homme. Il s'appelle David Ouedraogo, vainqueur de la dernière édition de BF1 Musclor. Il a ouvert une salle de sport pour permettre aux jeunes de son quartier de pratiquer la discipline dans laquelle il est aujourd'hui un formateur. Le club, la loi du plus fort, c'est la matérialisation de la promesse d'un champion, David Ouedraogo. Vainqueur de l'émission BF1 Musclor, il s'était promis d'ouvrir une salle de gym avec les revenus de la compétition. C'est désormais chose faite. Dans le quartier Tampouy, au pied de l'échangeur, son espace accueille les amateurs du culturisme et du sport de force. Puisque, étant candidat de BF1 Musclor, j'ai dit que si je gagne la compétition, je vais prendre mon argent pour organiser une salle de gym pour former les jeunes. Et quand j'ai pris l'argent, je suis allé payer les matériels pour organiser ça. On a la barre de squat, la barre de développé couché, il y a les vélos, il y a une barre de presse aussi. Et puis les tirs, les haltères, on a tout ça. Cet espace, David veut en faire un cadre de formation des jeunes qui, comme lui, rêvent de tutoyer les sommets comme Aaron Bibi, champion du monde de log lift. Les jeunes aussi, ils sont très motivés. Depuis, ils me demandent d'ouvrir une salle pour eux. Voilà, j'ai fait ça, ils sont très contents. Ouais, ils sont très motivés, les voilà déjà là. Voilà, et nous aussi, on rêve d'être comme les Iron Baby, compétitif international. C'est tout ce qu'on demande. On rêve d'être comme le champion Iron. Je suis un ancien coureur.
Rachid est sur les traces de David. Il espère dans quelques années atteindre le niveau de celui qu'il considère aujourd'hui comme son mentor. Bon, moi je pratique la musculature, ça vaut au moins deux ans comme ça. Deux ans comme ça. En tout cas, ça m'aide beaucoup. J'ai la force, j'ai la santé dans d'autres développements aussi. Ça m'aide beaucoup quoi. Ça va beaucoup m'aider. Comme ça aussi, moi j'ai tous les matériels potentiels pour devenir un grand star comme lui, développer comme les Iron Bibi et consorts. Ça va beaucoup m'aider. Le club La Loi du Plus Fort est ouvert tous les jours aux passionnés du sport. Le coach est également présent pour ceux qui ont besoin d'assistance. Voilà donc, notre émission est à sa fin. Cédou Belem, j'ai envie de vous poser une dernière question. Est-ce que vous pensez avoir trouvé écho favorable auprès des responsables, ceux à qui vous avez envoyé cette correspondance? Bon, ça, je ne peux pas répondre parce qu'on a écrit à une commission qui est chargée de la lecture des textes. Maintenant, bon, ça va d'abord dépendre. Si la commission met dans les textes, c'est l'Assemblée générale extraordinaire qui va venir entériner. D'accord. Donc, bon, en tout cas, nous, on a écrit, on a donné nos propositions. C'est à la commission de regarder si ce qu'on dit est pertinent. Bon, mais on ne force pas, hein. Mais c'est une proposition. C'est une proposition. Parce que, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas vouloir des résultats différents et puis continuer de faire la même chose. Il faut quand même, à un moment donné, les gens puissent réfléchir et puis bon, proposer autre chose, quoi. On peut expérimenter et puis voir. Mais bon, en tout cas, on ne sait pas si ça va passer ou pas. Mais en tout cas, c'est ce que nous, on pense être la meilleure voie actuellement. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup. On espère vous voir encore rapidement dans cette émission. Merci également, Amadi. Merci, Arsène. D'accord. Merci à tous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, c'est tous les lundis à partir de 21h sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir chez vous.